Qu'est-ce qui n'est pas adapté là tout à fait dans la cuisine, à ta taille? Eh bien, il y a l'évier, où je prends mon tabouret. On prend l'habitude, hein. Moi, c'est vrai, je le... Voilà. Comme ça, je suis plus à la taille. Je suis encore un peu petite, mais bon, ça va. Je m'adapte. Et Là, là, on peut faire la vaisselle. il y a le projet de rendre un évier plus bas. Non, je veux pas. Je veux pas pour le moment. Peut-être plus tard. Mais c'est vrai que je veux pas parce que bah moi, comme j'aime beaucoup le partage, peut-être qu'un jour je serai avec quelqu'un. Et c'est vrai que je me dis, enfin, adapter, c'est bien. Mais il faut penser aussi aux autres. Parce que si monsieur ou voilà, ou l'autre personne avec qui je suis aura envie de faire la vaisselle ou de faire la cuisine, s'il doit se mettre à quatre pattes, je pense qu'au bout d'un moment, il va en avoir marre, quoi. On a l'impression, en fait, que tu fais tout ce que tu as envie de faire. Oui, c'est un leitmotiv de vie que je veux. Oui, je le revendique parce que, alors peut-être parce que c'est dû, que j'ai été souvent à l'hôpital quand j'étais petite, que j'ai porté des plâtres quand même qui m'arrivaient de la cheville jusqu'à là quand même. Donc du coup, j'ai été souvent enfermée, je pouvais pas marcher, je pouvais pas faire ce que je voulais. Et je pense que voilà, c'est une revanche par rapport à tout ça, que j'ai cette mentalité-là, que je veux absolument bouger. Tant que je peux le faire, je le fais en tout cas, ça c'est sûr. Moi, je le voulais à ma taille, donc du coup, j'ai fait intervenir un ami à moi qui l'a fixé à la hauteur que je voulais. Et là, je vais le remettre pour que vous vous rendiez compte. Voilà, comme ça quand je suis dans la baignoire, c'est à ma taille. Donc au milieu, c'est moi. C'est quand j'avais 20 ans. Donc je l'aime bien parce que quand j'étais plus jeune, j'étais souvent les cheveux courts et je ressemblais à un garçon. Donc j'aime bien. Effectivement, je suis petite. Et pourquoi pas m'en servir dans le milieu artistique? Effectivement. Mais voilà, le peu de fois où j'ai eu un contact avec ce milieu-là, ouais, j'étais très bien. Je me sentais très à l'aise. Donc du coup, oui, voilà, peut-être que de regarder toutes ces lumières, le bruit que ça fait, ouais, ça me rappelle ça, je pense. C'est un message d'espoir puisque lui... Que ça intéresse vraiment. Nous venons de quitter la conférence ici à Nonay au lycée Boissy d'Anglas et puis à la séance photo pour un journal. La séance qui veut prendre un peu tout le monde. Étape à Chambéry, ici en Savoie, dans cette ville de 47 000 habitants.
dans ce lycée professionnel de 1400 élèves avec une rencontre entre plusieurs élèves et puis Loïc ainsi que Catherine. Loïc mesure 1m40 et Catherine 1m. Rencontre ici au lycée Gaspard Monge. C'est quoi? C'est bon. Ah non, excuse-moi. C'est des petites tapes de gentillesse. Oui. Oui. Bon. Alors Loïc, pourquoi il y a eu des fous rires tout à l'heure? Bah parce que on discute tout simplement, comme dans la vie actuelle, comme dans la vie normale. Et puis, il y a des faux rires. On ne peut pas raconter un faux rire, si. Ouais, non, après, ça sera. Ouais, c'est dans le contexte. Dans le contexte. C'est dans le contexte. Ouais, c'était sur quel sujet, moi, qui n'étais pas là? Bah, honnêtement, c'était sur le thème, sur les handicapés, tout ça, non? On a rigolé de ça. Ouais, mais par rapport à quoi? Des trucs qu'on peut tourner à la dérision ou. Bah, honnêtement, il y a tout eu. Oui, ouais. c'est vraiment de la dérision. Par exemple, que vous, ouais. Sur les supermarchés. Oui, sur les. En général, tout ce qui est bas, c'est moins cher, voilà. Oui, souvent, c'est vrai. Donc ça vous arrange, vous pouvez prendre des trucs moins chers. Des fois, Après, il n'y a personne qui va aller, c'est ce qu'elle a pu prendre. Voilà. Oui, des fois, c'est vrai, t'as raison, faut pas être trop difficile. Bah voilà, donc c'est ça que je voulais dire. C'est vrai. On a fait des petits trucs comme ça, après, c'est normal. Ouais. Tu sais, un bébé de taille normale, il mesure 50 cm. Moi je mesurais 40. Par contre. Ouais, mais ça reste pas. Enfin, ça fait déjà un écart, mais c'est pas non plus extrêmement. C'était pas dans le sens où on allait pleurer, mais. C'était pas émouvant. C'était juste qu'il y a eu un dialogue qui s'est posé tranquillement. Ils ne voulaient pas qu'on soit immure envers eux, c'est ça le plus important. Ils ne voulaient même pas ça. Nous, on avait des trucs comme ça, on pensait qu'ils cherchaient à nous émouvoir toujours, mais en fait, non, c'est plutôt le contraire qu'ils cherchent. Tu t'en souviendras? Bah, sûrement, on ne peut pas oublier ça. Hein, c'était fort et voilà, on va le retenir. Alors, comment je vis? Donc, j'habite un appartement où je suis seule. Je travaille. Des aménagements, par exemple. Alors, au niveau des aménagements, écoute, moi, ma maman, elle m'a élevée comme mon frère et ma soeur. Donc, je ne suis pas trop habituée. Vous vous adaptez. Voilà. Alors, évidemment, j'ai un petit tabouret devant l'évier, un petit tabouret devant la gazinière, devant le lavabo aussi pour me brosser les dents. Mais après, il y a des adaptations. Hein. On peut le faire, mais pour le moment, moi, on va dire que j'attends d'acheter mon appartement pour l'adapter vraiment à des choses. Moi, ce qui me gêne maintenant, c'est, tu vois, dans l'armoire, toi, t'es une fille, tu vas comprendre, on a plein de fringues. Oui. Et ben moi, quand je dois aller chercher mes pulls, par exemple, ce matin, tu vois, j'ai été chercher mon pull tellement que j'en ai partout, j'ai dû prendre mon escabeau pour grimper, pour aller chercher mon pull dans l'armoire. Et ça, c'est vrai que des fois, c'est un peu... On voit la réaction des autres qui connaissent pas, qui rigolent. C'est une réaction de gamin. Donc ça t'a blessé? Oui, pour eux, ça m'a fait de la peine. Parce qu'ils doivent avoir, ces réactions tous les jours, je pense. Quand ils sont dans la rue, partout, dans les magasins, ils doivent avoir le regard des gens qui doit les blesser. Parce que c'est vrai qu'après les prothèses, c'est compliqué, tu peux pas trop échanger, tout ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais du vélo et que je fais du sport aussi dans une salle de sport. Et j'aime bien aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'aime bien. Ouais, voilà, comme tu dis, ouais. Mariam, si tu veux, tu peux enlever la chaise, hein. Comment? Ouais, enlève-la pour voir. Oui, mais alors si tu veux parler, comment on fait? Bah, je peux m'en couper. Ah, c'est gentil, j'apprécie. Tu sais que je vais faire une réflexion, évidemment, par rapport à ça. Tu sais que les gens, quand ils viennent nous parler, quand ils s'accroupissent, bah, déjà, c'est beaucoup plus agréable pour nous.
Et puis tout de suite, je me dis, ah, elle n'est pas bête, elle a tout compris. Voilà, parce que du coup, bah voilà. Oui, c'est plus facile de visage déjà, à visage. Et puis c'est une sorte d'acceptation, d'adaptation à la personne, tu vois. Donc c'est sympa. J'apprécie. Ah, c'est un moment très riche, humainement, je trouve. Ces témoignages et le regard des élèves, l'échange qu'ils ont pu avoir, était assez profond. Comment allez-vous, madame ? Très bien, depuis tout à l'heure. Ok, vous n'avez pas ramené de gâteau. C'est l'heure d'aller manger. Il y a un petit peu de chaud. Claire, tu viens de rencontrer Catherine et Loïc, qui mesurent 1 m et 1 m 40. Qu'est-ce que ça t'a fait au moment où tu les as perçus ? Bah, au début, ça m'a un peu surprise, mais on était déjà prévenus qu'on allait en voir. Mais on peut être un peu gêné ? Oui. Un petit peu par rapport à des réflexions ou des façons de... Enfin, qu'on a l'habitude de faire normalement et puis qu'en fait, on se rend compte que c'est pas forcément adapté. Donc on fait plus attention à ces mots au début. Allons-y. Je pense qu'il restera quelque chose à ces jeunes dans quelques années de cette rencontre-là. Et je pense qu'on va tous en tirer quelque chose de très positif sur le plan relationnel dans le lycée. C'est moi, c'est ça que tu veux caresser, tu passes dessus. Ils sont pleins de vie et qu'ils ont l'avenir pour eux. Ça, c'est bien. T'as des problèmes pour t'habiller parce qu'on n'est pas tous fait pareil. Ça peut être un peu compliqué. Ou alors, bah, moi, comme je vais apprendre à conduire, bah, comme Loïc qui conduit, bah, comment lui, qu'est-ce qu'il pourrait me conseiller ? Lui qui conduit, en fait, c'est une boîte automatique ou boîte manuelle. Donc, voilà comment notre association elle vit. Ça permet aussi aux parents, aux nouveaux parents, d'avoir, on va dire, un regard. En ce moment, je suis célibataire, mais je crois que c'est, voilà, comme je dis, hein, c'est un peu, actuellement, on a un petit peu du mal à se rencontrer entre les hommes et les femmes, on va dire. Loïc, qui considérait même pas ça comme une maladie, puisqu'il n'a pas cherché à savoir ce qu'il avait, j'ai trouvé ça que, ils arrivent à s'aimer comme ils sont, et donc je trouve ça génial, quoi. Parce qu'on est chacun comme on est, il ne faut pas essayer de se changer. Quoi. On a notre style, on a notre personnalité, notre caractère, il faut tout garder comme on est. Quoi. Il faut rester nous. Il ne faut pas chercher à être quelqu'un d'autre, sinon on se perd. Au revoir. Ciao, ciao. À la prochaine. Et moi aussi, je suis un jeune. Au revoir. Moi aussi, un jeune. Yeah. On parle de handicap, on pense pas tout de suite aux personnes de petite taille, donc ça nous a fait prendre conscience que finalement c'est pas facile pour eux et faut qu'elles s'adaptent. C'est eux qui vont créer le monde aussi, faut pas l'oublier ça. Donc c'est bien qu'ils regardent un petit peu les gens qui les entourent et nous on fait partie de ces gens-là. Donc j'ai trouvé ça formidable. Même si demain ils vont peut-être tourner la page, ça leur fera écho, oui, certainement longtemps. C'est encore une fois la très grande concentration de tous ces scolaires devant...